Je m'appelle Corentin Barrier. Je suis récemment installé en Marais Breton, ici, avec deux activités. Une activité mouton, donc élevage de moutons à l'herbe, et puis parallèlement un marais salant. Je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Ma famille n'était pas du tout là-dedans. Et moi, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans ce milieu-là par l'intermédiaire de ma profession d'avant, qui était chargé de mission dans une association de protection de la nature. Et puis voilà, du coup, j'ai repris le marais salant. Ça a été une opportunité. Et puis après, ben, le chemin s'est fait. Je me suis dit, allez, je vais élever des moutons. Chose donc qui s'est réalisée l'année dernière. Mes moutons, donc ce sont des moutons de race Belle-Île, donc qui est une race à faible effectif, qui était une race qui était présente sur tout le Grand Ouest avant de la France, puis qui s'est retrouvée à être quasiment disparue. Il restait quelques individus sur l'île de Belle-Île, donc c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Donc voilà, du coup, j'ai cette race-là, très rustique, herbagère, un territoire qui s'y prête, donc bah, j'ai choisi un mode d'élevage très extensif. Donc élevé à l'herbe avec un chargement limité, c'est-à-dire que j'évite de mettre beaucoup de bêtes sur une même parcelle pendant longtemps. Et puis ça a aussi un impact qui est très favorable sur le parasitisme pour éviter justement d'utiliser des antiparasitaires, des médicaments, des traitements allopathiques. Ben, on va plutôt miser sur des techniques de pâturage qui vont limiter au fait ces problèmes, quoi. La chance qu'on a dans des zones de marais, c'est qu'en fait la biodiversité qui est présente, elle est permise grâce à l'élevage extensif. Donc dans ces zones-là, si on n'avait pas d'élevage, on aurait de la biodiversité, on aurait une autre forme de biodiversité. Mais la chance qu'on a, c'est que la biodiversité un peu rare qu'on a sur ces zones humides est également compatible avec l'activité d'élevage extensif. L'élevage de moutons donc, est destiné à la production d'agneaux de plein air, qui seront tous vendus en circuit court, en vente directe en tout cas. Voilà, le but, c'est pas de travailler avec une coopérative qui va me reprendre tous mes agneaux et puis je sais pas où ils vont. C'est vraiment garder ce lien entre consommateur et producteur, quoi. Faire passer aussi du coup ma manière de travailler. Et puis tout l'aspect, tout le travail finalement qui est réalisé sur la conciliation d'une pratique agricole avec la protection de l'environnement, quoi. Faire passer des messages, c'est quelque chose d'important, quoi. Ce qui est intéressant autour du projet de Corentin, c'est effectivement la synergie qu'il y a pu avoir entre plusieurs groupes de personnes. Donc Itensia y a participé, la LPO, et puis aussi il y a une AMAP localement, avec tout un tas de citoyens consommateurs qui sont impliqués par leur mode de consommation. Et du coup, il y a des gens qui ont prêté de l'argent, qui ont servi de banque, en quelque sorte, à Corentin, pour pouvoir acheter les bâtiments et pouvoir démarrer son activité. Un projet qui ne s'est pas fait tout seul dans mon coin, mais grâce à l'intervention de beaucoup de personnes. Et c'est ce qui, je pense, fait sa force d'une certaine façon.